Bonjour, bienvenue dans la nouvelle 3008. Je vais vous présenter quelques fonctions de iCockpit, en particulier les menus de l'écran tactile, les fonctions véhicules, le réglage des fonctions véhicules. Nous avons deux onglets ici. Le premier onglet pour régler les fonctions de conduite. Je peux activer ou désactiver en appuyant sur ces interrupteurs, activer ou désactiver les différentes fonctions véhicules. Le pictogramme information ici me permet d'avoir des informations détaillées sur le fonctionnement de l'aide à la conduite que je veux activer ou désactiver. Et donc c'est bien par ce pictogramme information que j'accède à ces différentes informations. Voilà. On voit qu'en haut de la liste se trouve le bouton Park Assist. Si l'option est présente sur votre véhicule, c'est bien en haut de la liste fonction de conduite pour la retrouver le plus vite possible qu'on retrouve cette fonction de conduite. Donc le deuxième onglet sont les réglages véhicules. Les réglages véhicules sont accessibles par le menu, activables et désactivables comme pour le premier onglet. Et certains ont un réglage à réaliser auquel j'accède par ces petites roues dentées ici. Ainsi, à l'intérieur de la description et du descriptif de cette fonction, je peux choisir le réglage de cette fonction. J'espère que ça vous aidera à approcher le système de manière simple et que vous en profiterez un maximum.